Ça joue à quoi? On va jouer à Skyrim. Et je suis très sérieux. On va réellement jouer à Skyrim. Mais d'abord, il faut que je démarre tout un tas de logiciels pour pouvoir jouer à Skyrim. Alors attends, il faut être gentil avec Skyrim. Surtout quand il y a... Combien... Alors attendez, je vous redis combien de modes j'ai. Je vais faire un petit clic gauche, clic droit à propriété. Ça calcule. Il y a 1300 modes. 425 gigas, mon Skyrim. Donc pour ça, on est gentil avec lui. Là, c'est bon. Allez, lance-toi. Alors, on joue, hein, mais attendez. C'est qu'un Skyrim de 500 gigas, tu le manipules avec précaution. Tu le manipules avec précaution. J'ai lancé le truc, ça va arriver. Oh putain, le PC qui souffle. Mon PC, il a fait... Attendez, voilà. Ok. Alors, mais pourquoi on joue à Skyrim, vous allez me dire? J'ai installé... installé les tétons en 45K. Non, j'ai installé ça hier, donc ça s'appelle Nolvu, c'est un Skyrim pré-modé qui vous installe tout automatiquement avec 500 gigas de mod pour faire en sorte que votre jeu, il ait la gueule. Et j'ai installé le mode de l'IA pour pouvoir parler avec les PNJ dans le jeu. Attends. Bonjour. Salut à toi, l'étranger. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Tout se passe bien par ici? Oui, ça se passe plutôt bien ici au Sweeping Jirin. Les gens viennent se détendre, manger et boire un coup. Y a-t-il quelque chose en particulier que je peux faire pour toi ce soir? Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais qu'en réalité je suis pas vraiment là? Je suis en train de streamer sur Twitch et de jouer à un jeu qui s'appelle Skyrim, mais vous en réalité vous n'êtes que des personnages dans un jeu vidéo. Eh bien, si c'est le cas, vous avez l'imagination bien débordante. Mais ici, dans le Sleeping Jirin, nous vivons notre vie telle qu'elle est dans ce monde fictif de Skyrim. Ah. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à discuter avec moi, même si je suis juste un personnage de jeu vidéo? Ah, ça c'est vraiment bizarre comme discussion. Désolé si cela te semble étrange, mais je suis juste un obénor qui fait de son mieux pour aider les voyageurs qui passent par ici. Si tu as des questions sur Skyrim, le jeu ou autre chose, n'hésite pas à la demander. Je suis là pour aider autant que je le peux. Vous avez pas du travail à me donner? Eh bien, en tant que tenancière de l'auberge, mon travail consiste principalement à m'assurer que les clients sont satisfaits, à préparer des repas et à servir des boissons. Si tu cherches à m'apporter ton aide, il y a peut-être quelques tâches que je pourrais te confier. Par exemple, tu pourrais aller chercher des fournitures au marché de Riverwood ou aider à la cuisine en préparant des plats. Ça te tenterait? Alors non, pas vraiment, mais j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que, d'après vous, The Elder Scrolls 6 sera à la hauteur des attentes des joueurs? Eh bien, en tant que personnage de Skyrim, je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans le monde réel. Je ne peux donc pas te dire grand-chose sur les attentes des joueurs concernant The Elder Scrolls 6. Tout ce que je peux dire... C'est que les jeux de la série Elder Scrolls ont généralement été très appréciés par les fans, alors j'espère que ce nouvel opus répondra à leur attente. Ah, ça c'est méta de fou. Mais bon, tu sais, il vaut mieux se faire sa propre opinion quand on y joue réellement. Ah, merci beaucoup, au revoir. Ok, now let's switch in English. How are you? Are you fine? Are you good in the life? Well, immersed as I claim that bit, stomping to be the student Chongxin language, but you'll understand English just a fin. Thank you for asking. I'm doing well. My father, Warrior, has its challenge. Will you find purpose and satisfaction? Oh, le baguette! How about yourself? How are you doing? It's okay. Thank you and goodbye. Bonjour et de rien. Prends soin de toi. Putain. En fait, c'est parce que comme j'ai dans le fichier INI du jeu, j'ai mis que les PNJ sont français. Du coup, même quand il parle en anglais, il le parle avec un accent français, c'est trop drôle. A few minutes later. Bonjour. Salut étranger. Comment puis-je t'aider? Alors, c'est la première fois que je parle avec un cerf, vous allez bien? Salutations. Ah, ça crache. Il a pas supporté. C'était un élan, je suis désolé. Putain, je pense que le mode n'était pas fait pour ça, à mon avis. J'ai été coupé dans mon élan. Badoum.